Salut YouTube, aujourd'hui petite découverte, comme tu peux le voir sur ton écran, le chat est douteux mais le beat est bon, il pleut, nous sommes dans un cimetière, nous sommes sur Eternal Evil, mesdames et messieurs, un jeu indé survival horror FPS, un peu comme Resident Evil 8 Village. On va se faire une petite découverte pendant une petite heure, si jamais c'est bien on continuera le let's play une prochaine fois, mais en tout cas là c'est une découverte, ça y est le chat est chaud. Le jeu m'a été offert par le développeur pour vous le faire découvrir, donc je le remercie grandement. C'est un jeu qui coûte moins de 20 balles, qui est sorti le 9 juin sur Steam. Il est malheureusement qu'en anglais ou en russe, hein, tu sais ce que c'est les jeux russes. On est parti, je vais jouer clavier souris. Let's go baby. Alors, oula. Oula, oula, oula. Ok. Shoot. Attends, mais c'est quoi cette difficulté? Limited save. Alors, est-ce qu'on veut des saves limités? Non. Ah, donc tu peux choisir. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on... Large inventory from the start of the game. Ok. Moi, je veux un inventaire grand. C'est une découverte. Hein. Le but, c'est pas de galérer. Disable a lighting of the important item, more exploration, backtracking. Ok, donc en gros, si tu coches ça, ça enlève la surveillance des objets importants. Donc, il y a plus d'exploration et plus de backtracking dans le sens il faut faire plus d'aller-retour. Donc, c'est pas mal. Moi, je vais pas le mettre. Shooter mode. Multiplies the ammo being picked and adds to the player a matching gun with an endless round. Alors, le shooter mode, ça te donne plus de balles et ça te donne un fusil d'assaut avec les munitions infinies. On va pas le prendre, hein. On va pas le prendre. Donc, nous, on va jouer avec un grand inventaire. Avec. To confirm. Ah, to save the settings. Ok. Ça m'a l'air pas mal. On va juste prendre le grand inventaire. On va pas se limiter. Mais on va pas non plus cheater. Ça m'a l'air pas mal. Je trouve ça sympa, mesdames et messieurs, comme système de choix de difficulté. Comment tu vas, Junju? Je trouve ça mieux que de mettre bêté méchamment, tu vois, facile, normal et dur. Je trouve ça bien de pouvoir choisir, personnaliser ta partie. On est parti! Let's go, baby. Eternal Evil 4. Ouais, je trouve ça vachement bien. Alors, le jeu, c'était marqué qu'il est toujours en early access, mais... Ah, attends. C'est une BD. What's the problem? I can't tell you over the phone, but I haven't encountered anything like this before. Got it. They'll be at your location in 3 days. Okay. Thank you. And be careful. Custom difficulty, ouais. Alors, il a reçu une mission. Le mec est déjà habillé avec son gilet pare-balles et tout chez lui, hein. C'est la Russie, ça. C'est normal. Ouh, scénario a l'air fou. Ouais, évidemment, je vous montre le son, vous inquiétez pas. Je trouve ça sympa, la petite cinématique en BD, comme ça. Attends-moi! Attendez-moi! Ouh, toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Elle va sauter ou pas? Alors c'est ultra dangereux de mettre son arme comme ça parce que le coup peut partir quoi. Thank you, Mr. Richards. Detective Hank Richards. Non, c'est pas un nom très russe. You must go across the graveyard and fields towards the farms. There must be fear of these creatures there. Il faut traverser le cimetière et aller jusqu'à la ferme. Keep the rifle. Garde le fusil. You are not coming with us? No. I need to find someone at the hotel. Il faut que j'aille voir quelqu'un dans un hôtel. Ouais, un peu à la Mad Max, ouais, je suis d'accord. Bien vu, Bolin. Attendez, mais on joue pas en fait? T'imagines, tout le jeu, il est comme ça? Oh putain, on peut choisir quel perso on joue? Mais c'est trop bien! Compléter la storyline de Hank. Après la storyline, Marcus commencera. Beating the whole game will allow you to choose scenario to play. Donc, une fois que t'as fini le jeu, tu peux choisir le scénar que tu veux jouer. Donc là, si je clique sur Marcus, normalement ça marche pas. Ouais, voilà, ça marche pas. Hey! Je trouve ça bien. Je trouve qu'il prend un peu tous les trucs
Qui faisait les... C'est quoi le premier avec les scénars? C'est Resident Evil 2, je crois. Hein. Le 1, il n'y avait pas plusieurs scénars différents, chat. Hein. C'était le 2, on est d'accord. Il y avait Léon, Claire. Le premier, t'avais pas le choix. Tu jouais Jill et Chris, non? Quand tu vas les tu vas bien, salut Bilal. On est parti, du coup, avec Hank. Alors, flashlight avec F. Espace pour le laser. Checking les boulettes avec Q. Zoomer avec ça. Et tab. Ok, espace pour le laser. Ok. Bah écoute, ça va très bien. Where ah. are you, Cross? Look at what you've done, you sick son of a bitch. Ouh. Où es-tu, Cross? Regarde ce que t'as fait, enculé. You'll answer for this. I'll get you. Tu vas payer. Ok. Gros scénar, gros scénar. Ok, alors ça, ils nous l'ont déjà mis. Donc là, je vise. Ouh, le bruit des armes est pas mal. Ah ouais, t'as pas de... Merde, t'as pas de curseur, quoi. Ok, le jeu tourne bien, ça va? La flashlight. Eh, le jeu est joli, oh. C'est pas mal du tout, ça. Oh putain, il faut rester appuyé sur espace pour avoir le laser. Tu vois, si je lâche espace, ça m'enlève le laser. C'est trop bizarre qu'au gameplay, ça. Non, le jeu est propre, hein, le jeu est propre, putain. Oh, regarde comment je peux checker mes balles. Attends. C'est stylé. Ok, j'ai des balles. Du coup, là, je peux recharger plus. Et là, si je check mes balles, je suis à 13. Ok. Eh, les Russes, ils ont des bonnes idées quand même avec les balles. Hein. Tout ce qui est les armes à feu, ils kiffent. Hein. Alors là, il faut un code. Oh! Oh, du pognon! Putain, du pognon! Avec cet argent, on peut acheter des bonus après l'early access. Ah! Oh là 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 là, ça a l'air sympa, ça. Alors, je peux courir. Je peux me baisser. Je trouve ça bizarre, le laser sur espace, mais écoute, pourquoi pas. On va laisser sa chance au gameplay. Oh, le bruit des armes, il est incroyable. Au niveau du son, chat, ça va? Pas trop faible, pas trop fort. Eh, c'est propre quand même. Hein. C'est vachement propre. Alors, je peux pas niquer ça. Le son est bon. Je ne suis plus pauvre. Ah, c'était sûr. Donc là, si je mets le laser. Il faut 4 balles dans la tête. 5. Ok. Eh, c'est joli quand même. Hein. Putain. C. Pourquoi il y a un bouton C? Vous voyez sur... Bonjour! Aïe 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 aïe! Est-ce qu'ils peuvent ouvrir les portes? J'ai plus que 3 balles, baby! J'ai plus qu'une balle, 0 balle! Alors le bouton C, je vois pas à quoi ça sert quand tu vas à Xyz. Ça doit être pour les fouiller, peut-être. C'est le miroir de Phasmo, ouais, c'est ça. C'est... Attends. Laissez-moi... Non, parce que si je peux choper des balles sur les cadavres, tu vois, il faut que je comprenne. Key mapping. Alors, attends. Couche... Oh, on peut jouer à la manette. Alors, se baisser, je vais mettre ça sur C, justement. On va bouger avec ça, on va courir avec ça. Interact avec E, ça m'a l'air pas mal. On a une map. Grab item C. Alors, grab item, je vais mettre T. On va aim avec ça, reload. Ah, j'aurais peut-être dû jouer à la manette. Shoot, le laser, on va laisser ça comme ça. On va mettre la flashlight sur J. Ça m'a l'air pas mal. Ou alors non, attendez, on va mettre ça sur J, la flashlight sur T. Yes. Let's go, baby. Merci du follow, Zizo, merci beaucoup. Alors je... Ah, c'est pour traîner le corps. C'est pour traîner le corps. Ok.
En fait, je pensais que c'était pour les fouiller, mais pas du tout. Et moi, j'ai plus de balles. Qu'est-ce qu'ils faisaient à deux dans les chiottes, là? Et on va recharger. Eh, c'est pas mal pour l'instant. T'as une otite, oh merde, comment tu vas, Rachid? Salut, Thierry. Oh, Thierry, t'as la forme? Alors, combien j'ai de balles? 15. Eh, pour l'instant, j'aime bien, chat. Barricadé. Okay. Pour l'instant, j'aime bien. Il y a vraiment une ambiance Resident Evil 8, du coup. Let's go. C'est un bon jeu précis. Ouais, non, mais écoute. Eh, les Russes, ils sont en train de... Ils sont en train de faire le game, là. Hein. Parce qu'entre Ebola, celui-là, et d'autres que je vais vous montrer plus tard dans la semaine, ils sont chauds. Hein. Putain, il m'a fait peur, ce con. Alors, attends, est-ce qu'il y a du démembrement? Oh, pas mal, ça. Oh, c'est propre, la façon dont il rampe et tout. Bon, là, il est mort, mais... Pas mal du tout. Ça, c'est rigolo, par contre. Attendez. Laissez-moi faire quelque chose. On va le prendre par le cul. Ouais. Opa Gundam style. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Ah, je sais pas, R6. Putain, le lion m'a fait peur. J'ai peur des lions. Et là, y'a rien. Alors, attendez, l'inventaire. Ouh, petit inventaire, la Resident Evil. J'ai un couteau. J'ai un couteau. J'ai un bouquin. Alors, attends. Comment je fais? Examiner avec eux. Ok, ça, c'est... Ok. Sympa, file. J'ai une map. Oh, sympathique. Tu peux zoomer, te déplacer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut une clé. Ok, sympa. Il y a différents étages. Ah ouais, mais ça a l'air grand en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Shidoshi? Putain, mais je vais où là? Il y en a des balles. Et il die. Quelle puissance pour soulever un corps, t'as vu ça? Regarde, je te remonte comment on fait. Ce qu'il faut, c'est bien mettre le doigt bien au fond. Et ça va tout seul, en fait. Et là, tu peux faire l'hélico-bit. Wouhou! tout va bien, vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Hein? Oh, on a un storage. Ok. Et ça, c'est pour sauvegarder. Ok. C'est quoi ce bruit? Ok, c'est rien, c'est la sauvegarde, calme-toi. Fire gem, il faut une fire gem. Ok. Eh, chat, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on va aller à gauche. On peut pas. Je pense que tu peux économiser tes balles en les mettant au sol et laisser ramper. Ouais, sûrement. On va visiter d'abord de ce côté-là. Là, il faut une gemme bleue. Qu'est-ce que c'est ? Oh, du pognon ! Donnez-moi du pognon, vite. Bon, bonjour. Bah alors ! Alors, je fais pas le malin parce que... Ah, voilà. Et le bruit du gun, il est phénoménal, mesdames et messieurs. Alors, attendez, je veux tester un truc. Est-ce que y a du... Ça le bloque ou pas? Ah, j'ai pas l'impression que ça le bloque. C'est dommage. C'est dommage, ça le bloque pas. Ça aurait été stylé de pouvoir lui envoyer le truc dans la gueule, tu vois. Eh, mais c'est immense. Holy shit, c'est trop beau.
jouer avec ça là ? Non ? Chat, les modos, faites une prédiction vite fait, s'il vous plaît. Comment tu vas, Jizzy ? Tu vas bien ? Salut Moïdi, salut Eddie Bang. Faites une prédiction. Est-ce que quand je vais tirer sur une boule, est-ce qu'elle va bouger ? Faites une prédiction. Et dès que la prédiction est finie, je tire sur une bouboule. Ok, là on a rien. Même la musique est cool. Des bisous, Caron. Combien il me reste de balles ? 7. 7 balles. C'est pas ouf, 7 balles. Hein. Je le savais, je le savais. Ah, mais attendez, j'ai un coutal. J'ai un coutal. J'avais oublié. On va essayer au couteau. Allez-y, mesdames et messieurs, une prédiction. Si vous voulez vous faire des points de channels, il y en a deux. What? Je viens de glitcher là, il s'est passé quoi? Attends, mais au couteau, c'est pas possible. Putain, je me fais gangbang! What? Elle vient de m'arracher le cœur? What the fuck? Elle m'a pris pour un anti-féministe! Putain! Ok, ok. C'est rien, mesdames et messieurs. Tout va bien se passer. Je suis un professionnel. C'est rien. C'était pour vous montrer, évidemment, les limites du jeu. What the fuck? Ok. Alors attends, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être s'ils nous mordent, ils deviennent plus forts ou un truc comme ça. Les boobs, non mais t'inquiète pas Nini. Tu sais, les boobs dans les jeux vidéo, ça dérange pas hein, sur Twitch. Hein. En fait, j'ai pas traversé le mur. J'ai... Attends, par contre, j'aimerais bien savoir si je peux tuer un zombie avec mon couteau. Ou la porte. Ok, ils peuvent passer les portes. Ok. Ah, oh, je peux, mais... Ok, c'est vraiment en cas de... S'il y a un zombie, quoi. Histoire de sauvegarder des balles. Balles dans le genou, couteau on peut essayer. C'est une bonne idée. Ah, ils sont... Oh, regardez. Du coup, son... Oh, c'est trop bien. Du coup, maintenant, il est... Alors, attends. Oh, c'est stylé. Alors, est-ce que là, je peux le niquer, du coup? Oh. Mange le sol. Bon, il y a quelques petits bugs. C'est un petit jeu indé, mais... Il fait l'autruche. Non, non, je te vois. Tu n'es pas John Cena. Je te vois. Ah, c'est pas grave, calmez-vous, on rigole. Alors, là c'est où je me suis fait gangbang. Ah oui, attendez, il faut que je tire. Attends. Hop, comme ça, ça l'ajoute à la carte. Faut que je tire sur une boule de billard. Vous êtes prêts? Tout de suite, la réponse de la prédiction. La boule n'a absolument pas bougé. À défaut d'être utile, c'est drôle. Attendez, c'est elle qui est violente là. C'est quoi ça? What the... Ok, c'est 70 HP. Putain, il y a des serpents, what the fuck? Ok, elle est dead. What the fuck? Regardez ça, quoi. Il sort d'où, là, ce cobra? Comment tu as Margot, tu vas bien? C'est quoi, ce délire?
Attendez, ça veut dire que les ennemis sont aléatoires? Parce qu'il y avait un ennemi là la dernière fois. Non? Ok, là je peux pas y aller. Là non plus. Là il faut une gemme. Putain, me dis pas que les ennemis sont aléatoires. Depuis quand ils courent ces connards? Je suis bloqué parce que la porte est fermée. Putain. Pas du tout. Je suis juste bloqué en fait. Non mais attendez, le jeu il est hardcore. Holy shit. Et je suis désolé, moi j'ai pas du sang russe. Hein. Je suis pas... Moi je veux des jeux qui sont pas difficiles. Hein. Holy shit. Elle a la dalle, ouais. Citrus Cobra n'est pas la meilleure, la preuve elle attaque. Bon, écoutez, chat, peut-être qu'il faut qu'on monte de niveau ou je sais pas, on va aller visiter ailleurs. Ok. On va aller visiter ailleurs. Aucune pitié dans le jeu. Non, mais moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien que le jeu soit difficile parce que c'est vrai que quand tu regardes les Resident Evil et tout, c'est pas très dur. Oh! Et bah voilà, il suffit qu'on trouve un petit fusil à pompe, mesdames et messieurs, et le tour est joué, je pense. Alors attends, est-ce que je peux me le faire au couteau? Ok, donc il n'y a pas moyen, il nous entend. Attendez, on va lui tirer une balle dans le genou. Ok, faire gaffe là. Les portes se ferment, hein, il faut faire gaffe. Hein. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Alors à la manette, je sais pas si c'est le bon plan en vrai. Hein. Putain, heureusement qu'on n'a pas mis les sauvegardes limitées. Oh mon dieu, la porte l'a tué! Pas du tout. Ok. Trois sismoscopes, bien sûr. Très joli ce couloir. Le jeu fait peur des fois ou c'est tout le temps pareil? Comment tu vas, Twizox? Tu vas bien? Et du coup, en fait, faut jouer ultra safe. C'est vraiment un survival, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est du lore. Désolé, hein, j'ai la flemme de tout vous traduire. C'est fermé de l'autre côté. Ok. On a un zombie ici. Merde. Attendez, je crois que j'en ai vu un autre. J'en ai vu un qui court vite, non? Je sais pas. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Putain. Je sais que j'ai pas répondu à ta question. Oh putain, merde! J'avais pas vu, il y en a un troisième. Oh, putain. Non mais attendez, c'est quoi ce jeu de taré là? Oh, calmez-vous. On aurait peut-être dû prendre la machine gun, mesdames et messieurs. Hein. What? Ça fait un bruit de vase quand je lui tire dans le genou. What the fuck? Let's go baby. Je vais revenir au début, je vais prendre la mitraillette illimitée, je crois. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, chat? On la joue gros dur ou on la joue petit zizi? Je vous laisse choisir. Reste ouvert, toi. Non, non, moi, je veux les tuer. Je veux les tuer. Prothèse en porcelaine. Ah, c'est pour ça, Loïc. Bien vu. Ok, lui, il est mort. Non, moi, je... Ok, il est mort. Il nous reste elle. Elle va se transformer, non? Tu te transformes pas, hein? Ok. Ok, elle est dead. Ouh, elle, c'est vraiment du survival pur et dur. Hein.
À la gros dure, on y va à la gros dure. Ok. Bah après, c'est pas plus mal, hein. Tu sais, un survival, tu fais une erreur, tu meurs. Ah bon, il y a survival dans le titre, quoi, donc... Qui a fait ça? Ok. Ouais, je veux bien le storage, le truc, c'est qu'on n'a pas de... Putain. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Holy shit! Grenade launcher, baby! Grenade... je répète, grenade launcher! Pardon. Ok. Peut-être, Dawe Class, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça c'est du lore. Des balles. Sur le mur, il y a une arme. Non mais arrêtez de... Taisez-vous là. Arrêtez de spoiler ou quoi que ce soit. C'est des répliques. Voilà, ferme-la. C'est quoi ça? To skip, trouver tous les documents et les puzzles. Ah, il y a un compas sur le truc. Ah, attendez, à quoi nous sert le... Attendez. Parce que si c'est à la Resident Evil, il faut examiner les trucs, tu vois. Ah, il y avait une clé à l'intérieur. C'est la clé de quoi? Small key. On sait pas. T'as vu quand t'examines, il relève son arme. Putain, c'est stylé. Eh, je suis désolé, mais malgré les bugs, tu vois, d'animation et tout, je trouve que le jeu, pour un mec solo, le jeu est quand même assez propre, je trouve. Hein. Putain. Ok, on a deux petites clés. Chloé, find the blue billiard ball. It's triggered a regular pool. It's bigger, ok. Bring it to the hunter room. Put the compass back in place. Recreation room. Ok, faut qu'on trouve une boule de billard plus grosse que les autres, qui est bleue. Et ensuite, ça nous servira pour résoudre cette énigme au niveau du compas. Donc celle-là, elle est verte. Celle-là, elle est rouge. Ok. Ok, donc il y a des, apparemment, il y a énigme. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais moi, je suis pas prêt mentalement pour ce genre d'énigme. Écoute, on va laisser ça là, on verra après. Qu'est-ce que c'est ça? The strong one live in the north. Le fort vit au nord. La rage est au nord-est. Et les grands sont au sud. Ok, je pense qu'il nous manque des boules, de toute façon. Vraiment bien, propre de fou, ouais. Ce petit détail qui rend le jeu plus réaliste, c'est toujours un plaisir. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on va le... Alors, on fait la découverte ce soir, mais il y a moyen qu'on le continue. Hein. Parce qu'en vrai, il est vraiment pas mal pour l'instant. C'est quoi ça? Ok, j'imagine que c'est pas une clé qu'il nous faut. Il nous faut un truc rond. Ok. Et la map a l'air immense. La map a l'air immense de fou. Là, il nous faut une gemme rouge. C'est fermé. Ok, on est au grenier. Ça tient, ça? Ok, ça a l'air de tenir. J'aime pas ça, chat. Alors, pas du tout. Tu vois que ma lampe torche, elle éclaire que dalle en plus. Oh, c'est la journée classique d'un russe normal, hein. Mamanovic, hein, je pense que ça t'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais, n'hésitez pas à le wishlister. Hein. What the f... Holy shit. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Ok, je viens de m'exploser la gueule, je suis trop con. Elle est morte? Ok, elle est morte. Oh non, non, mais j'étais pas prêt mentalement là.
Fuck me. Putain. Et je viens de niquer mes deux grenades. Je sais pas si j'aurais dû, mais c'est fait. Écoute. Il m'en reste une. Elle est assez bien faite, mais... Le caca dans ma culotte est assez bien fait aussi. Je vous montrerai pas, parce que ça, c'est une technologie, vous pouvez pas comprendre. Mais... Holy shit. Au couteau, ouais. Bon, par contre, j'aimerais bien trouver des soins, par contre. Et il faut nettoyer le grenier, hein. Des araignées de cette taille, c'est pas normal. Putain, il m'a fait peur, l'autre. Ok, là, y'a rien. Oh là là. Oh, les arachnophobes en PLS d'un coup, hein. Ils ont rien compris. Ça va, je le suis pas, mais... Alors, on a un vinyle. The Best Western. Oh, attendez, est-ce que c'est par rapport Nord-Est-Ouest, peut-être? Ok. De toute façon, on avait l'air d'être obligé de niquer l'araignée. Si vous me pardonnez l'expression, qu'est-ce qu'on a ici? On a rien. Oh, il n'y en a pas une autre, hein. Tu mets pas une autre araignée, hein. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a rien de caché, non? Ok, je pense qu'on a fait le tour. On a récupéré un vinyle. On va descendre de ce grenier possédé, là. Bon, tu vas, Garcimor. Le bestiaire a l'air varié, ouais. Putain, non mais regardez ça, quoi. Viens ici, toi. Viens ici, viens ici. Oh, rien que de la déplacer moi-même, ça me fait mal, quoi. Ouh. Alors, ce vinyle, à quoi il sert? Ok, je sais pas. On va essayer de le mettre sur le billard pour voir. Si je mets le vinyle. Ça marche ou pas? Hein? Mais pourquoi il se passe rien? Attends. Ah, parce que ça doit pas être ça, du coup. Ok. J'ai déjà fait. Ok, on continue. J'aimerais bien sauvegarder. Est-ce qu'on a un... Ah, pour la porte ici, peut-être. Ça, c'est quoi? C'est pas ce que c'est. Non, je pense pas. C'est pas pour la porte. C'est trop gros. Ah ouais, c'est trop gros. Putain, je me fais peur tout seul. J'ai vraiment une bite. Alors, on va mettre ça dedans. Et la petite clé, on va la garder sur nous. Non, mais chat, je suis tendu. Bonjour. Regardez, ça va être ça, la miniature YouTube. Oh, regardez le flingue qui bouge quand tu t'approches. Ah, ça va être ça, la miniature. Et ça va être en mode, ce jeu vous force à tuer des animaux. Voilà, ça c'est putaclic, chat. Alors, j'ai trouvé une petite clé. Ok, on n'est pas allé par là. Par contre, j'ai pas envie de mourir, quoi. On va sauvegarder, chat, ça vous dérange pas? Je fais un petit aller-retour pour aller sauvegarder parce que sinon on va être dans la merde. Si ça vous dérange pas. Parce que je sais pas pourquoi je sens qu'on va se faire un... C'est pas si loin que ça au final. On va se mettre là. Je connais pas du tout ce jeu, c'est un Resident Evil like. Bah moi non plus, c'est une découverte totale. Il nous reste 50 minutes à peu près. On part sur 90 minutes de découverte. Pour l'instant, je dois vous dire que mesdames et messieurs, pour moins de 20 balles, 5-6 heures de durée de vie... Je trouve ça vraiment propre. Les cadavres restent. Incroyable. Vous vous rendez compte qu'il y a des triple A, les cadavres ne restent pas. Hein. Donc, pas mal du tout. Il y a des jeux d'argent. Il y a de l'alcool. Que demander de plus? Ok, on a des balles. Poker. Blackjack, roulette, on se met bien.
sur les petites parties. Qu'est-ce que vous préférez, vous, si jamais vous allez au casino, Chad? Préférez blackjack, poker, roulette? Et ça, c'est quoi? C'est... Ah, ça doit être une mini-roulette. Vous êtes team quoi, vous? Il y a quelque chose dessous? C'est bizarre que cette salle, il n'y a rien. Bizarre. Poker, blackjack, blackjack. Moi, je suis plus blackjack aussi, ouais. Travailler dans un casino? Nice. What the fuck? On dirait le film Les Oiseaux, mais la version dégueulasse, tu sais. Putain! Attendez, mais j'ai plus de vie, j'ai 43 points de vie, chat. Alors ça, je m'y attendais pas, tu vois. Ok, il y a des petits bugs de porte. Oh, chocobar, chocolat, baby! Let's go. Salle de sauvegarde, on a la musique. Avec des boules de geisha. Alors, on a des balles de pompe, mais on n'a pas de pompe. Alors attends, on va sauvegarder ici du coup. Let's go. Oui, c'est ça, Bidermic. Bidermic. Birdemic, un truc comme ça, voilà. C'est Birdemic. Quand tu as chaton noir, salut Canadien, Noxious d'Arzil. Normère, installez-vous, mesdames et messieurs. Alors, on va se soigner. Ça nous soigne de combien ça? Space bar to use. Oh, ça nous soigne de 40. Eh. Oh, il a jeté le papier par terre. Ah, ils sont vraiment... Eh, les Russes, autant ils sont balèzes, hein, mais autant... Niveau environnement, c'est à refaire. Hein. C'est à revoir. Okay. Putain, c'est un qui court. C'est un qui court, c'est un qui court. Ah, c'est survival horror, mesdames et messieurs. On essaye de garder nos munitions le maximum, hein, au maximum. Ok, il est pas mort. Putain, il y a encore les corbeaux par terre. Ok, il est dead. C'est un qui court plus maintenant. Il m'a quand même fait peur un petit peu. Est-ce qu'on peut casser ça? Oula, oula. Non, on peut pas. Alors... On en a un ici. On va espérer qu'il court pas, lui. Oh, il sert. J'adore le quand il boite et tout, je trouve ça trop bien. Merci beaucoup du follow, Sam Tueur. Bon, tu vois. L'animation quand il boite. Oh putain, il fait flipper. Pardon. Ta mère suce les bites de l'enfer. Ok, il est dead. Ah merde, on est bloqué. On est bloqué. Ok. Eh mais c'est tellement grand. Ah, attendez, chat, on a une petite clé. Je vois pas encore à quoi elle nous sert. Là, on y est déjà allé. Je pense qu'on est obligé d'aller dans le... Là, c'est où il y a la... Merci ouais. À tous. Je n'ai jamais douté. Ouais, tu m'as fait peur. Merci beaucoup, quatre Alex, mois, pour ta quatrième. Bonne soirée. Merci beaucoup, Alex, tu régales. Ok, on va être obligé d'aller là. Putain, elle m'a fait peur, la conne. Ok, toi, tu dégages. Je pense que j'ai le temps de le buter avant que l'autre arrive. Non, ça va pas là. Ok, il est die. Il est die. Il est mort. Comment ça, busy? Non, mais ferme-la et prends ton flingue. Je trouve ça trop bien. Le sang qui coule et tout. Tu lui tires dans l'autre genou, il tombe. Je trouve ça trop bien, chat. Je sais pas pourquoi, il y a un truc. Il y a un truc. Tuer des zombies, il y a un truc de kiffant.
Bon, c'est bien fait. Il y a certains trucs qui sont bien faits, on va dire. Et donc là, c'est fermé. Oh! Quand je lui ai couru dessus, je lui ai mis un chassé. Oh! Ça va être mon nouveau jeu, ça. Alors là, il y a le billard. Est-ce que c'est là qu'il faut trouver une grosse boule bleue, peut-être? C'est ce qu'il nous avait dit, hein, dans le puzzle. Quelque chose me dit, chat, que c'est celle-là. Mais je suis pas sûr. Non? Pourquoi elle tourne? Putain, il y a les reflets et tout. Et... Oh! Elle est invisible! Mais toutes les boules tournent, en fait. Elle est où? Je l'ai loupée. Pardon. Non, pardon. Ouais, il faut bien se détendre. Hein. Calmez-vous. Putain. Eh, il y a de la physique, hein. Regarde. Oh, ça marche pas trop, mais... Parce que je suis rebou, ça. Regardez, celle-là, elle vole. Bon. C'est elle qui court, non? Et toi, tu fermes ta gueule et tu rampes. Comment tu vas, Dreamer? Tu vas bien? Ouh, elle a pas l'air d'aimer le mur. Ah ouais, tu vois, c'est vraiment de la survie. Si tu vas sans les munitions infinies, c'est vraiment en mode faut prendre ton temps, quoi. Après, moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Ouais. Oh! Bonjour. You're alive. Who are you? Detective Hank. I'm looking for Howard Cross, the owner of this hotel. How are you still alive? Ouais, c'est un jeu un peu en hommage à Resident Evil. Comment ça se fait que vous êtes toujours vivante? David m'a dit que je serais safe ici et m'a donné des munitions au cas où. David. David. L'administrateur de l'hôtel. Il a disparu il y a 2 jours. Okay. Donc ça fait 2 jours qu'elle est dans la pièce. T'aurais pas un petit fusil à pompe? Non. Quand tu vas, Case. J'aime bien ce système de BD là. Ok. Ok, donc il lui dit d'aller à la ferme de chercher d'autres survivants. Merci, Hank. Merci. Heureusement que tu m'as motivé avec ton speech. Je peux maintenant sortir et espérer survivre. Alors, c'est quoi ça? Oh, du choco. Du lore. Oh, la clé bleue. Pardon. Blue de Chanel. Je crois que c'est de la contrefaçon, ma couille ton parfum. Blue de Chanel. Pour nous, les chèvres. Ok. Oh. Ah merde, je croyais que c'était une map. Ok. Oh, sauvegarder. Let's go. Le système de sauvegarde et tout, je trouve ça trop stylé. C'est vraiment stylé. C'est quoi? C'est le flingue qu'on voit? C'est une main? Je sais pas ce que c'est. Bon, bah, let's go, chat. On continue. On a le storage ici. On va... En fait, on a de la place. Donc, on n'a pas besoin. On a bien fait de prendre le... l'inventaire comme ça. Putain d'enculé de... de péripapéticien. Oh, elle m'a trop fait peur.
Bon bah écoutez, elle a pas survécu bien longtemps notre collègue. Hein. Y'en a un derrière moi, y'en a un derrière moi, je vais crever. Oh! Holy shit! Putain de snake! Attendez. Pouah. Il m'a fait peur. C'est pas comme si je l'avais dit depuis le début, mais bon, et pour info, avant de me faire bannir les litchis, c'est bien le Japon, j'étais en voyage linguistique en Australie, il y avait deux japonaises dans la même famille que moi, je suis réunionnais, je connais les litchis. Non mais Darkman, il faut apprendre l'humour, monsieur. On sautait encore sur les litchis. C'est grave quand même. Une fois que tu as dit enculé, tu peux bien dire pute. Non, il faut faire des efforts, ok? Il faut faire des efforts. Ouais, mais elle s'est pas affichée, ma main. L'écrasement de tête, ok, on peut écraser la tête, c'est bon à savoir. Alors attends. Hein? C'est aléatoire? Donc c'est ça, c'est aléatoire. Regarde, il m'attend. Regarde, il se couche. Il m'attend en mode. Regarde mon boule, regarde mon boule, regarde mon boule. Vous savez le mime du chat? Quand tu vas Kyo, le mime du chat, tu sais, qui secoue son cul. Putain. Non mais Darkman, ça va, y'a pas de soucis, calme-toi. Qu'est-ce qu'on fait? On lui tire dessus? Ok. It work, voilà, it work. Et cette porte est fermée. Donc les ennemis, c'est bien aléatoire. Incroyable. On va jouer un peu avec le laser, tiens. Oh, j'adore le fait qu'elle traîne la patte, là, j'adore. Fais voir si je tire dans le bras. Attends, arrête de bouger ton bras. Bon, le bras, ça change rien. À mon avis, je peux pas lui écraser la tête. Hein. C'est que quand elle me chope, je crois. Ouais, je pense. Parce que là, j'y arrive pas. Ouais, c'est que quand elle me chope. Attendez, je vais me baisser. Ouais, si je me baisse, c'est plus simple. C'est un peu... Écoute, là pour l'instant, on n'a pas trop de munitions, donc on va faire comme ça. Mais dès qu'on aura des munitions, je vais tirer dans le tas, hein, je vous le dis direct. Fermé, fermé. Fermé. Ah, attendez, on s'était fait goumer ici la dernière fois. Donc la disposition des ennemis est aléatoire. Ça c'est stylé, je trouve. Je trouve ça méga stylé, moi. Oh, j'ai hâte qu'on ait le pompe là pour exploser des têtes à droite à gauche. Ok, il est dead. Malheureusement, ils font que nous donner des munitions, ils ne nous donnent pas encore le fusil à pompe. Holy shit! Ah ouais! Ah ouais, c'est, on n'a pas le même délire. Holy shit! On sait que ça fait une bonne miniature YouTube, ça? Quand il y a Anastasia. Des bisous à tous ceux que j'ai loupés d'ailleurs. J'ai vu Gunyar aussi passer. Ok. Fermez la porte. Holy shit. Ok, donc c'était juste pour des balles, j'imagine. Y'a rien. Là. Non, y'a rien. Un échiquier. Ok. Non! Putain, il m'a fermé la porte à la gueule. Ok, faut qu'on trouve toutes les portes bleues, mesdames et messieurs. Let's go. On va faire attention. Je trouve ça ouf que les ennemis restent. Vous trouvez pas ça ouf? Depuis le début du jeu, les ennemis restent, quoi. Sauvegarder. Attendez, y'a rien ici. C'est pas le festival du gore, mais si! Je suis où, là? Ça y est, je suis perdu. Alors, la porte bleue.
Je suis sûr qu'on a même pas visité la moitié du truc. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu bouges pas, hein. Attendez, c'est ceux que j'ai tués? Ils se décomposent! Les cadavres se décomposent, mesdames et messieurs! Comment tu vas, Oli? C'est ouf! En vrai, c'est une super idée, je trouve. Ah, on est d'accord que c'est la pièce où j'ai tué deux zombies. Oh, je trouve ça trop stylé! Ok, là... C'est fermé avec un primitive lock. Alors attends, il nous faut un lockpick ou il nous faut ça? Small key. À mon avis, il faut des lockpicks. Ouais. Boobies! Boobies! Pardon. Je trouve ça trop bien, chat. Le fait qu'il y ait des zombies à poil, je trouve ça bien. Dans le sens où... c'est réaliste, quoi. Je veux dire, la meuf, elle est dans sa chambre d'hôtel. Elle était peut-être en train de prendre sa douche. Ouf, par contre, ça, c'est pas trop réaliste, merde. Putain, elle m'a chopé le... Ok, je crois que l'animation d'éclater sa tête ne s'est pas lancée. Oh, bah ça va, tout ça parce que j'ai regardé vos boobies. Un lockpick! Pardon. Oh, tu peux jouer avec les petits bouts. Tu peux jouer avec les petits bouts de cervelle, regardez. Ça s'en va hein, et ça revient. Ça fait le tout petit rien. C'est trop bien. Belle douche. C'est fermé. Ok, le lockpick, on l'utilise. On utilise le lockpick. Et du coup, mon lockpick, il s'est cassé. Ah oui, il s'est cassé. Attendez, qui va être à poil? Si vous êtes à poil, sortez! Munitions. Putain, je peux pas passer là? Je peux pas passer. Attends, j'ai niqué un lockpick juste pour ça? Ok. Je suis déçu. Et ici, c'est fermé. On voit pas l'action du cerveau. Bah oui, c'est ce que je viens de faire. Alors, attends. On n'a pas visité ici. Oh là là, mais c'est immense, chat. Pour l'instant, vous pensez quoi? Vous pensez qu'on en fait un let's play ou pas? Oh, salle de sauvegarde. Avec la musique. Pardon. Let's go, baby, let's go. Fusil à pompe. On va le mettre en numéro 2. Comment je peux le... Ah, ici, c'est 1, 2, 3. Donc, 1, 2 et 3. Ok, je vais mettre le couteau en 1, le flingue en 2, le pompe en 3. Ok, et on va mettre le lance-grenade ici. Ok. Eh, c'est vraiment pas mal, chat. C'est vraiment pas mal, putain. Comment tu vas, Energy, tu vas bien? Oh, de l'eau. Restaure à 100%. Buvez de l'eau, c'est important. Attends. Là, on va le prendre. Ça. Ça, on va garder ça avec nous. On va le mettre là. Perso, je regarderai pas tout, mais beaucoup aiment, donc oui. Ah ouais, qu'est-ce qui te gêne Mon animation. C'est vrai qu'elle est pas ouf. Et ça, c'est le problème. Quand je kiffe des jeux, je dis pas beaucoup de conneries. C'est quoi ça? Oh. Faut que j'arrête de vouloir activer des trucs en tirant dessus.
je peux casser ça, tiens. Non. Petite bière. Il y a tout, n'empêche, dans cet hôtel. Hein. Mais non, je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Ok, donc là, on a une sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu te rends compte, on a même pas... Ah merde, le prochain, je le tue au fusil à pompe, chat. J'ai envie de tester. Dans la tête, là. À mon avis, on va lui faire exploser la cervelle. Ça va être sympathique. Parce que, franchement, une petite cervelle de zombie, vous la faites revenir un peu avec des litchi frais, là. Et Matador. Holy shit, c'est trop beau. Elle court! Elle court! La maladie d'amour! Ok. Oh, j'ai tiré ta maman la bra! Oh! Headshot! Ok. J'aime beaucoup. Attendez, on va essayer de faire un headshot à un zombie normal. Qui court pas, ok? Pour voir un peu. Ok, elle, elle fait l'amour au mur. Attends, elle, elle court pas. Toi, tu vas te prendre le headshot. Toi, on va juste te niquer normalement. Hop. Ah, donc faut vraiment les... Ok, c'est rien, c'est rien. Fais l'amour, fais l'amour. Fais l'amour au radiateur. Hein. Et laisse-nous tranquille. J'aime beaucoup que l'écran soit un peu rouge aussi quand, quand tu prends des dégâts. Mais pas rouge au niveau de t'emmerder, tu vois. J'ai 3 points de vie, chat. Elle m'a enlevé 80 points de vie. J'avais 83, je crois. Hein. Putain. J'aurais dû prendre la bouteille d'eau, c'est pas grave. Alors. Fais-moi voir à quoi tu ressembles. Tu me vois ? Tu me vois plus! Sympa. Pardon. Fais ressortir le psychopathe en toi. Joue à des jeux russes. Putain, le système de rechargement est méga stylé, je trouve. Alors, il n'y a pas de balles. Oh, ça se mange pas les cartouches, hein. Ok, on a la clé jaune. Il nous faut une clé jaune. Du pognon. On sait qu'il y a combien de pognon là-dedans? 1000 euros? 2000 euros? 100 euros? Tu fous ma gueule! On sait qu'elle explose la bouteille? Putain, ça c'est les bouteilles de vodka russe. Bon, tu vas, Nico. Pourquoi? Tu t'emmerdes? Ah, il faut jouer mieux que ça, monsieur. Okay. Est-ce qu'on peut fouiller ici? Non. Ok. Oh, tu vas, nicotine, tu vas bien? Attends, là, j'y suis pas allé, on est d'accord. C'est fermé de l'autre côté. Ok, faut qu'on trouve, du coup, les portes bleues. Alors là, on a tout fait, on va sauvegarder... Bon, le mixage du son est un peu pété. Hein. Tu vois que tu rentres dans la salle, ça coupe la musique tout de suite. Il nous reste 30 minutes de découverte. Alors, on a visité ici. Combien j'ai de balles? J'en ai pas mal. Oh, je l'avais pas vu! Je l'avais pas vu! Il avait son treillis, c'est pour ça que je l'ai pas vu! Il est invisible, il était caché dans les rideaux. Putain. C'est très gentil, Nécotine. C'est pas ton style de jeu? T'es pas fan de Resident Evil? Moi, j'aime bien. C'est quoi ton style de jeu? Attendez, il y a quelqu'un qui l'avait vu dans le chat?
Allez, meurs. C'est bon. Non? Attendez. Putain. Il devait être caché juste derrière là avec son treillis dans les rideaux. Ah bah moi c'est totalement mon style de jeu par contre. Alors. Oula, je le sens pas là. Petite bière posée, ah ça fait plaisir. Des bisous à Rico. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ouvre la porte, y'a un scorpion! Mask of Deception, ça me dit rien. Tu vas payer Jean-Maurice. Non mais attends. Tu veux pas aller niquer. Oh, il a pris combien de balles? Il faut que j'aille chercher de la vie. Il a pris 6 balles, je crois. Oh, il y a les douilles par terre quand tu tires. Attends, attendez, je suis en train de me battre avec un scorpion là. Ah, oh, c'est dégueulasse. Ah, oh, c'est dégueulasse. Attendez, faut que j'aille à la salle de sauvegarde. Bon, en tout cas, le bestiaire, c'est vraiment un bestiaire, la Resident Evil. Ouais. Attends, il me faut de la vie, là. J'ai combien de vie? On va prendre une barre de chocolat. Ça a l'air suffisant, je pense. Voilà, je suis à 73, ça m'a l'air pas mal. On va sauvegarder. Ok, let's go. Maoli, aujourd'hui, c'est la charque. T'as raison d'en parler, parce que j'ai soif. Comment tu vas, Berzen? Oh putain. Après, si on a le temps, je vais faire Code Rat Stevenson Paranormal. Il y a une nouvelle update. Alors. Et il te cale. Putain. Il te cale des mini-boss au calme. Attendez, t'es en train de me dire que les douilles restent aussi? Ah mais c'est abusé. Regardez, il y a toutes les douilles que j'ai tirées là. Pour tuer Morgan. Ah, le jeu est vraiment trop bien. Si t'es pas trop regardant sur les animations, tu vois, si tu sais et tu pars du principe que c'est un jeu indé, le jeu est vraiment propre. Putain. Même l'ambiance et tout. Oh, la boule! On a la boule. Ok. On a la bouboule. Ça veut dire qu'il faut qu'on retourne au billard. Attendez, on va faire une photo pour YouTube là, c'est joli ici là. Une photo pour YouTube. Le gars est tout seul. Je crois que le gars est tout seul, ouais. Le mec qui fait ça est tout seul. Ouh, attendez, petite bouteille d'eau. Non mais ça c'est en Russie. Hein. L'eau c'est tellement rare en Russie que ça vous redonne de la santé. Ok, on a une porte rouge. Ici on a rien. Ouh, je suis sûr qu'il y a un secret là. Ok, bon bah écoutez, on va aller voir le billard. Ouais, le jeu dit, tratez-vous, mais il a raison. Le vinyle! Le vinyle, non? On va aller chercher le vinyle, je pense. Ce qui est bizarre, c'est qu'on me propose pas une interaction avec. Ok. Let's go. Putain, il y a toujours les douilles et tout par terre, c'est incroyable.
Et sans fait chat, est-ce qu'on tente le vinyle ou on retourne à la salle du billard? Je voulais choisir. C'est vrai que le menu principal payait pas tant de mine que ça, mais après ça restait quand même propre, tu vois. On va mettre l'eau ici. On essaye le vinyle? Ok. On va essayer le vinyle. Le billard? Je me demande comment se décompose le scorpion. Bah après, peut-être qu'il va pas disparaître. Putain, par contre, le mettre devant la porte, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. À mon avis, je vais retourner devant la porte dans 20 minutes, j'aurais oublié, tu vois. Et je vais me pisser dessus. Ah, ça fera du contenu pour YouTube. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Ok, ça marche pas. T'as pas besoin d'expliquer, Darkman. Resident Evil 7, c'est prévu d'ailleurs que je le refasse. C'est prévu, c'est prévu. J'avais fait un sondage il y a une semaine, je crois. Les gens étaient assez chauds. Et moi, ça me chauffe aussi. Alors, on va prendre ça. Écoutez, on a de la place. On va garder une bouteille d'eau et puis on va aller au billard. Alors, attends, le billard, c'était où? Attendez, en bas, j'ai tout fait. Hein. Ouais, ouais, en bas, j'ai tout fait. Il y a des lunettes. Pardon. Le billard... C'était à gauche, il me semble, chat. Hein. C'était tout en haut. Tout en haut ici, là. À droite, plutôt. Là. Non, non, c'était à gauche. C'était à gauche. Ouais, le jeu est fou, le jeu est fou, putain. C'était là, je crois. Le marathon Resident Evil sur YouTube. Beaucoup les voir. Je crois pas les avoir mis. Je crois que j'ai mis que des best-of Resident Evil. Alors je fais de la merde, c'est pas ici. Oui, c'est pas décomposé ce cadavre. Ah, c'est pas ici, c'est pas ici. Attendez, on a une map. La salle du billard, elle est... Est-ce qu'elle est au troisième étage? Save room, meeting room. C'est quoi ça? Ah, la clé bleue! Il faut que j'aille à côté du casino. Faut que j'aille à côté du casino au troisième étage. Là, t'as le restaurant, VIP room. Il y a quatrième étage. Il y a rien. Cinquième étage, c'est le grenier, on est déjà allé. Et la carte, elle est folle. Là, c'est fermé, là, c'est fermé. Ok, donc il faut qu'on aille au troisième, au niveau du casino. Est-ce que je peux savoir où je suis, moi? Est-ce que je peux savoir où je suis? Je suis là. Donc il faut que je parte au troisième. Ici, ici, tout droit. Ouf. Eh, ça va être dur de se repérer, je vous le dis direct. Hein. Ah ouais, non, mais là... Laisse tomber. Hein. Je pense que c'est là, du coup. Là et là. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, regardez. Et là, on a le casino. Putain! Alors attends, du coup, la salle avec le coffre, la salle de sauvegarde, elle est où? Elle est là. Ok. Donc là, on a la grosse boule bleue. On sait pas trop à quoi elle sert, la grosse boule bleue, pour l'instant. Donc on va la mettre ici. Ça m'a l'air pas mal. Okay. Ça va, je m'en sors. Je m'en sors doucement, mais sûrement. Est-ce que tu le vois sur la map? Ouais, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le vinyle! Le vinyle. Ok, on va aller le chercher. I don't know where my nestling is. I hide my food. The lost one want to hear me. Hurricane is not an obstacle to me. Ok. On a des balles. Oui, il faut démarrer un feu, j'ai l'impression. On a un vinyle. On a un briquet. What? On a du lore. On a du bois. Ok, ça marche pas.
J'ai allumé le feu. Je vois pas trop à quoi ça sert. Ça a l'air vachement plus compliqué que ce qu'il y paraît. Ok, il faut trouver tous les documents et le puzzle. Est-ce que je peux poser un vinyle là? Ah, il peut être. Ce vinyle est vierge en fait. Il peut être utilisé pour record un son. J'ai entendu des voix de quatre genres différents. Well, flame will warm the birdhouse. Oh putain, ça a l'air compliqué, chat. Ça a l'air compliqué. Je sais pas si ça vaut le coup de se mettre là-dedans pour 10 minutes, quoi. Attends, déjà, je vais aller chercher l'autre vinyle. L'autre vinyle qui est dans la salle de sauvegarde qui est ici. Un cadavre qui se décompose pas, c'est un cadavre qui va se relever. Ouais, à mon avis, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On va reprendre l'autre vinyle. Par contre, j'ai absolument aucune idée de ce qu'on doit faire. Je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression qu'ils pop au hasard, les squelettes. Là, c'est fermé. Alors. Préparez-vous. Alors, on va mettre celui-là, du coup. Ok. Start recording, pick up record. Ok. Ok, on a mis un truc vierge. On a mis un truc vierge. Bon, c'est beaucoup Zizou pour ton Prime. Zilizo, pardon. J'ai dit Zizou. Bienvenue chez les gueux. Merci énormément, tu fais plaisir. Alors attendez, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. J'ai juste pas compris la cheminée à quoi elle sert. Tu peux discuter? Ouais. Alors vous pouvez m'aider, hein, y a pas de souci. Il reste que 10 minutes à la découverte, donc si vous avez une idée, allez-y. On va relire ça vite fait. The well-fed flame will warm the birdhouse. Le feu bien fourni fera du bien à... Ah. The birdhouse. Ça va réchauffer la maison des... Donc on a entendu le coucou. Attendez, on a entendu le coucou. En quoi ça nous aide? Est-ce que je peux reprendre du bois? Je peux reprendre du bois. Attendez, il y a un coucou quelque part? J'ai pas trop compris, chat. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Having heard the voices of four kinds, the defender will leave his spots. Ok. Une fois qu'il aura entendu quatre genres de voix différents, le défendant, donc le gardien, j'imagine, quittera son poste. Comment tu vas, Zilizo? Tu vas bien? Je ne demanderai pas quand est-ce que ça joue à Phasmo. C'est très gentil. Il faut faire quatre bruits différents. C'est ça, il faut faire quatre bruits différents. Donc on a la mouette. Ça fait 1, 2, 3 avec le coucou. Et il nous faut un quatrième. Et à mon avis, il faut enregistrer les quatre sur ça là. À mon avis, c'est ça. Mais le quatrième bruit, il est où du coup? Attendez. Le quatrième bruit. Vas-y, vas-y, hein, tu peux donner ton idée. Le truc, c'est qu'on a que trois trucs, tu vois. J'ai pas d'autre vinyle, on est d'accord. Non, j'ai pas d'autre vinyle. Un coup de feu? Ah ouais? Qu'est-ce qui vous fait penser à un coup de feu? On peut essayer si vous voulez. Allez, vas-y, on essaye. Alors on met du bois.
1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. De Cuckoo Cry. Et donc là, le vinyle record. Mais du coup, le record, je le mets où maintenant? Attends, est-ce que je peux le mettre ici? Merci du follow au Rindigo. Comment tu vas? Mais là, il nous a mis que le coucou. Il nous a mis... Pourquoi le fusil? Le bruit du feu? Bah non, le feu, c'est juste pour le coucou. Attendez, y a pas... Non, non, j'ai tout lu. Hein. On est d'accord, j'ai rien dans mes notes. Hein. Tout ça, c'est du... Ouais, tout ça, c'est du lore. Ouais, tout ça, c'est du lore. Rien à voir. Au niveau de la map... Ah, attendez, ce symbole, je l'ai déjà vu quelque part, chat. Ce symbole, là. Là. Regarde. Ici. Il faut descendre au deuxième étage. Il faut descendre au premier. Et on peut pas y aller. Ok, on peut pas y aller. On peut pas y aller. On peut pas y aller. Est-ce que ça débloque ça? To skip, trouver tous les documents. Enregistrer les sons sur le vinyle vierge avec la mouette, le coucou, le gong et le repasser. Mais bon, apparemment, ça marche pas. On n'a pas l'air de pouvoir enregistrer plusieurs sons en même temps. Le fusil sur la cheminée. Ah, attends. Ah, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit, chat, le fusil sur la cheminée. Ah, putain, j'ai pas mis le compteur de mort à jour. On est mort combien de fois, chat? On est mort 3 fois, je crois. Pardon, je l'ai pas mis à jour. Alors, attendez, je réfléchis. Là, on a fait le coucou en premier. Attendez, si je reprends... Si je remets... Eh, je peux pas... Je peux pas remettre le vinyle? Bah, je pense qu'on a bien fait les... Je pense qu'on a bien fait les trucs, hein. Je peux pas remettre le vinyle. Et du coup, le vinyle, il nous servira à quoi? Je peux pas remettre le vinyle. Là, on a la mouette. Là, on a le coucou. I don't know where my nestling is. C'est quoi ma nestling? C'est mon nid douillet? J'ai caché ma nourriture. Ceux que j'ai perdus vont m'entendre. Enfin, ceux perdus vont m'entendre. Une... Hurricane, une tempête n'est pas un obstacle pour moi. Bah du coup, il faudrait 4 vinyles, ouais. Il faut 4 vinyles. Et le gonk, là, je vois pas à quoi il sert. Ok, écoutez, on va continuer de fouiller. Est-ce qu'on a un autre endroit où il y a une clé bleue? Là, c'est une clé verte. Le problème, c'est que tout est fermé, chat. Non, j'ai pas d'autres disques vierges. T'imagines, c'est un one shot, tu te trompes, t'es mort. Alors, dans le haut, là, il y a un... Donc là, je peux pas y aller. C'est fermé. Il n'y a pas de clé bleue. Pas de clé bleue. Ok, deuxième étage. Là. Là, il y a une clé bleue. Au deuxième. Derrière, une clé jaune. Ah, attends, comment je peux y aller? Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, chat. C'est bon, je sais. Normalement, l'escalier sur la gauche, là. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Là, il me semble que là, il fallait une clé bleue. Please, please, please. Let's go. Let's go, baby, let's go. Ok. Wow, méga stylé, la salle. Méga stylé. Attendez, là, il y a une porte. Pas l'ouvrir. Ok, on a du piano. Barre de chocolat, petit ramen. C'est quoi, de la soupe, ramen?
J'ai vu le truc qui brille, hein. Calmez-vous, hein. Je visite d'abord. Alors. Oh, avec la petite clé. Oula, calme-toi, calme-toi. On a un compas qui nous indique où est le nord. Ouh. Ok, let's go. Le compas, c'est le truc qu'il faut mettre pour ouvrir la porte, je pense. Ok. Et du coup, il y a peut-être moyen qu'on ait les nouveaux vinyles avec ça. Ok, je sais exactement où faut aller. Je sais où faut aller. Quand tu vas, il se met haut, tu vas bien. Oh, je surkiffe. Plus j'y joue, plus je kiffe. Alors, rien à voir, mais je visite. Je vais sauvegarder un coup. Ok. On va poser... Ah merde, il a pas pris l'autre vinyle. On va poser les vinyles, pardon. Le compas, j'en ai besoin. On va poser ça, du coup. Alors, à mon avis, il faut aller... Il faut aller ici. La porte... À l'étage. La porte où il faut insérer un truc rond. Ici, là. Là. C'est là qu'il faut mettre ça, je pense. Non ? Ok, donc c'est sur le billard alors. C'est sur le billard pour nous indiquer quelle flèche est le nord. Ah, c'est ça. Donc le nord, c'est cette petite flèche là. Ok. Attendez. Je vais très bien, je vais très bien. Je suis à... Non, non, mais ça, ils peuvent y aller, Mamonou, j'ai pas de soucis. Alors, attends. Stangwan in the north. Ok. Ça va, ça va. Ouh, il y a des numéros. Putain, il y a des numéros. J'avais pas vu. Le 2. Le 4. Le 7. Oh putain, donc il faut classer les boules en fonction de quel animal est le plus fort. Holy shit. Ok. Attendez, il y a d'autres panneaux, je crois, non? Il y avait pas un autre truc à lire? Pas du tout. Alors, attends. Ah, c'est ça le quatrième gonk, à mon avis, non? Le plus fort est au nord. La rage est au nord-est. Et le plus grand est à l'ouest. Ok, le plus fort est au nord, chat. Quel est le plus fort? On est d'accord que le plus fort, c'est l'ours. Vous êtes d'accord avec moi? Par rapport à tout ce qu'on a, là. C'est l'ours. Donc l'ours, c'est le 7. Est-ce qu'on a du 7, là? Attends. Là, il n'y a rien. Ça, c'est 6. Le 7. On a 7. On va aller chercher la boule bleue, du coup. La boule bleue, c'est le 2. Donc, c'est 6, 7 ou 2. Donc, on a l'ours. C'est quoi? C'est un tigre. Et un cerf. Et regardez, la rage est au nord-ouest. Il aurait pas la rage un petit peu, lui? C'est ce que je veux dire. Un élan, oui, bah après. Bon, c'est pas grave. Alors, le plus fort au nord. Le nord est où? Le nord est ici. Donc, le nord, c'est là. Donc, le plus fort, on a dit que c'était le 7. Ok. Le plus grand au sud. On est d'accord que le plus grand, mesdames et messieurs, c'est cet énergumène. Et c'est la boule numéro 6. Donc, le sud... Il est censé être là. Le nord, c'est l'inverse? Attends. Bah non, regarde. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc la 2 est ici. Et donc la dernière, c'est la 6. La 6. Ah mais non, je me suis gouré. La 6, elle est là. Je suis con. La 6, c'est le plus grand. Et la 2, du coup, elle est censée être nord-ouest. Et donc le nord-ouest, c'est... Nord-ouest. C'est celle-là. Mais d'accord. Ça a rien fait, donc on s'est trompé. On s'est trompé. Donc
à mon avis, pour eux, l'ours. Regarde le triangle quand tu checkes la boussole. Le triangle ? De quoi tu parles ? Pourquoi tu veux que je regarde le triangle ? Ça, tu veux dire le triangle du billard ? Bah ouais, mais il n'y a pas trop au milieu, Nini. Tu vois ce que je veux dire ? Donc à mon avis, on s'est juste trompé entre le... On a inversé les deux, là. Ou alors, il nous manque une boule. Ou alors, il nous manque une boule. Pourquoi tu veux que je regarde ça ? Je comprends pas, Manovic. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde ? Je comprends pas. Le nord pointe vers le triangle. Non, le nord, c'est la... Le nord, c'est la petite flèche ici, non ? Le nord est de l'autre côté ? Attendez, qu'est-ce que vous me dites ? Il y a trois trous de chaque côté, j'aurais mis la dernière entre les deux. Le triangle du billard. Qu'est-ce qu'il a, le triangle du billard ? Faites des phrases claires, parce que je suis teubé, là. Aujourd'hui, je suis teubé. Le nord vers le triangle. Ok. Ah, la boussole, j'ai raison, on est d'accord. La petite flèche vers le triangle du billard, donc le nord est derrière le triangle. Mais il n'y a pas de trou derrière le triangle, mesdames et messieurs. Je peux pas mettre deux boules là où il n'y a pas de trou. Vous comprenez ou pas ? Je peux pas. Donc c'est forcément ici. Ou ici. Je peux pas interagir avec le triangle. Là où il y a la verte, pour moi, c'est le nord. Et le nord, c'est le plus fort. Et le plus fort, pour moi, c'est l'ours. Le nord pointe vers le triangle du billard, donc le rouge va au niveau du vert. Le rouge va au niveau du vert. Waouh. Ok, je suis une bite. Ok, je me suis... En fait, j'ai compris, c'est juste que j'ai fait de la merde. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est que j'ai bien compris comment ça marche, mais je me suis gouré dans les boules, en fait. Ok. Ah, ok, j'ai compris. Tout va bien, mesdames et messieurs, tout va bien. Ah, ok. Et le plus grand, c'est au sud. Et le plus grand, c'est le numéro... En fait, je pense que j'ai confondu les couleurs et les numéros, bref. Le plus grand, c'est le 6. Donc là, c'est le 6. En fait, j'ai confondu la grande boule bleue avec le 6. Enfin, pour moi, la grande boule bleue, c'est... Enfin, bref. Ça va les couilles. La moralité de l'histoire, c'est que vous êtes les meilleurs, vous avez raison. Je n'ai jamais douté de vous. Et donc, le nord-est... Putain, ok, je viens de comprendre ce que vous venez de me dire. Ok, je viens de comprendre où je me suis trompé. En fait, chat, quand tu regardes de ce côté la boussole... Non, mais voilà, c'est ça que vous aurez dû me dire dans le chat. Quand tu regardes de ce côté la boussole, c'est inversé. Regardez. Là, mais il était temps. Non, mais niquez-vous, vous êtes pas capable de faire une phrase correctement. Attention, Thibaut, quand tu regardes la boussole de près, l'écran est inversé. C'était compliqué à dire, plutôt que de dire « Non mais attendez, là où t'as mis au nord, en fait c'est pas le nord, mais c'est le nord de l'autre côté quand l'écran il est inversé. Putain !» Moi aussi ça m'arrive de me tromper de trou, demander à la maman de Mamanovic, putain. Calme-toi, prends un petit coup de holly, calme-toi. Je suis désolé Mamanovic, mais je l'aime beaucoup ta mère. En fait, si tu veux, voilà, si tu regardes de ce côté-là, la boussole est dans le même sens. Donc en fait, voilà, et quand tu regardes de ce côté-là, c'est la boussole, l'écran change pas en fait. Ok, donc pour moi, ça pointait vers le triangle, mais du coup le triangle est de l'autre côté. Voilà, non mais en fait vous avez cherché compliqué quoi. Il suffisait de me dire attention, l'écran est inversé, tout simplement. Putain. C'est pas grave, je vous aime quand même. Bon, on en était où nous ? Mais du coup, on va regarder de ce côté. Donc, le nord-ouest, c'est ici. Et donc là, c'est la 2. Putain, du premier coup, baby! Et Matador.
du premier coup. Et là, on a la clé verte. Nice. C'est quoi ce bruit? Il y a un dragon. Il y a un serpent. Il y a un serpent de ses morts. Non? Ok. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir aidé. Merci à tous. C'était vraiment bien. Mais c'est la fin. Eh oui, c'est déjà la fin. Non, on va pas aller ici. De la découverte. Le jeu est loin d'être fini, je pense. On va aller sauvegarder. Dire au revoir à YouTube. Si je me souviens où est la salle de sauvegarde. What? Je le savais qu'il y avait un... Je le savais, j'ai failli mourir avant de dire au revoir à YouTube. Putain, elle est où la salle de sauvegarde? Donne-moi une salle de sauvegarde. À côté de la meeting room. Ici. Yes! Let's go, baby! Let's go! Woo! Pourquoi un serpent? Je sais pas, on sait pas, nous ne savons pas. Des bisous. Voilà, YouTube, j'espère que t'as kiffé cette découverte de Eternal Evil. Merci encore au dev qui a fourni la clé, ça fait grand plaisir. En une heure et demie, on a quand même pu voir pas mal de choses. On a vu que les puzzles étaient vachement sympas. Tu vois, pas aussi simples que sur les nouveaux Resident Evil, ça fait plaisir. Le jeu a l'air assez chaud. Tu vois, il faut pas faire d'erreur. Il y a l'air d'avoir niveau balle et tout, niveau santé, t'as l'air d'être un peu dans le... C'est un vrai survival. J'ai envie de dire, c'est un survival récent, mais avec un peu la difficulté des anciens, des tout premiers survival. Et ça fait plaisir, ça nous vient de Russie, ça coûte moins de 20 balles. N'hésite pas évidemment à te faire plaisir et à l'acheter. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux qu'on continue le let's play. En tout cas, je pense que le chat a kiffé. Voilà, des bisous, n'hésite pas évidemment à partager, commenter, liker, c'est gratuit, ça soutient. N'hésite pas à venir nous voir sur Twitch, t'as tous les liens en description. Des bisous.